Bon, on va rentrer dans le palmarès. Donc, la déflation n'est pas là au niveau du tourisme et du handicap, mais on l'a dit, donc le tourisme c'est très important, c'est aussi un vecteur économique important pour la France. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pour les régions et le tourisme au niveau des territoires, bah, il faut, y a des actions fortes que vous allez voir, qui sont récompensées. Je tiens à redire, c'est l'accessibilité universelle, parce que dans les dossiers, on le voit, on a reçu des dossiers où, et je crois que dans la région, il y a le cas, j'ai pu le constater au niveau du tourisme, on affiche le label tourisme et handicap avec les 4 types de handicap, mais seulement, il y a à côté, on est accessible qu'à 2, 3 types de handicap. Donc là, il y a une utilisation du label handicap. Du 4 types de handicap qui n'est pas très bien, mais ça c'est dans plusieurs régions, plus dans certains établissements. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut inciter, aujourd'hui déjà les personnes qui ont fait des actions sur un ou deux types de handicap à aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, c'est d'être accessible à tout le monde. Donc on le rappelle, il faut vraiment avoir les 4 types de handicap quand on est dans le tourisme pour avoir une action quand même assez forte. Et c'est des clients, en plus de ça, pensez-y, c'est de la valeur économique. On va pas attendre plus longtemps. On va dévoiler le palmarès pour le tourisme et handicap. Donc avec en partenariat avec l'association tourisme et handicap, ça aussi maintenant depuis 4 ans. Et puis on a des échanges assez forts. Je vais annoncer avant le palmarès, j'annonce qu'on est en train de travailler avec l'association Notre Village. Catherine, tu en as parlé pour mettre deux actions fortes en place. D'abord au niveau des communes, les petites communes, donc c'est les communes de moins de 5000 habitants, de mettre au cours de l'année 2015 un kit accessible, un kit pour que les petites communes puissent rendre accessible leur village, puisqu'on parle de village, mais vraiment du bon sens et pas cher. Et on va travailler là avec un certain nombre d'associations pour que derrière, ce soit la mairie, le café, la voirie, éventuellement la salle municipale, et puis également s'il y a des gîtes qui sont dans les petits villages, parce qu'il y en a, qu'elles puissent aussi être accessibles, et ça avec les critères de tourisme et handicap. Ça c'est important, et avec l'action qu'on va mener, on va en 2015 sur le congrès des maires de France lancer un nouveau label qui est Village accueillant pour tous. Et on est en train de voir avec Madame Annette Masson, présidente de Tourisme et Handicap, que vraiment on reprenne l'intégralité des procédures sur le tourisme et handicap pour que ces petites communes puissent être intégrées dans Destination pour tous si jamais il y a une agglomération autour de grande qui postule à Destination pour tous, parce que ça sera, à mon avis, vu la lourdeur du dossier, les petits villages ne postuleront pas à Destination pour tous. On y va donc pour le palmarès, j'ai demandé à Bernard Puls, directeur de la maison de l'Alsace, je vous laisse à nos pupitres, Bernard, et oui, je vous laisse à nos pupitres. Bon, j'ai été pris en otage. annoncer le palmarès donc, pour tourisme et handicap, donc c'est les nommés au trophée d'accessibilité. Bernard, je vous laisse. Bon, j'ai été pris en otage, je l'ai appris en rentrant dans la salle que j'allais devoir présenter les nominés dans la catégorie accessibilité des régions. Et de surcroît, il n'y a aucune réalisation alsacienne dans ce que je vais vous annoncer. Donc j'ai été doublement pris en otage. Voilà. Donc, et ici, au siège social, devant mes patrons, Frédéric Bierry, M. Becker. Donc merci Xavier de ce geste. Bien. Je vais, avant de vous les annoncer, je vais également adresser un remerciement à Marie Guéra, qui est ma collaboratrice et qui était partante il y a 5 ans de s'associer à la remise de ces trophées. Et nous y sommes encore. Et je dirais que nous y sommes partenaires pour l'Alsace, pour les deux départements alsaciens, mais d'une manière neutre, parce que j'ai un mauvais souvenir d'une remise de prix. J'étais assis à côté de M. Becker, j'étais persuadé qu'on allait gagner. On était nominés et nous étions très pauvres et très fair-play, M. Becker, tous les deux. Et finalement, deuxième fois, on me fait annoncer des nominés qui ne sont pas de notre région. Et il n'y en a même pas un de la grande région. Voilà. Donc, sélection régionale. Nord-Est, Luxeuil-les-Bains, donc il s'agit de l'office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, donc ce sont nos voisins, ça restera nos voisins, ils ne seront pas intégrés dans la grande région, mais très proches en Haute-Saône, donc parfait, qualité de l'accueil de l'office de tourisme de Luxeuil-les-Bains.
Le deuxième nominé, donc là on ne saura pas encore qui va gagner, hein. Le deuxième nominé c'est Nantes, donc on est vraiment à l'autre bout de la France. Le château des Ducs de Bretagne, la pièce maîtresse de la ville de Nantes, qui n'est pas dans la région Bretagne, mais presque. Le troisième nominé sera dans le sud-ouest, pôle international de la préhistoire, à Les Aisies de Taillac, que je ne connais pas. Et le quatrième, le musée départemental de la céramique à Lezoux, dans le sud-est. Voilà pour les quatre nominés que j'avais le devoir d'annoncer ce matin. Merci Bernard, je pense qu'on aura des surprises pour le département 67. D'accord.